Salutations, me revoici pour un petit stream sur l'excellentissime Wonder Boys Dragonstrap. Petit reboot du jeu sorti en 89, il me semble, donc il y a 28 ans, sur Master System, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est parti donc pour ce petit jeu, cette petite pépite, je dirais, qui est sortie donc aujourd'hui au tarif de 20 €. Donc ouais, donc c'est un reboot du troisième Wonder Boy. Et j'ai pu le tester un peu ce matin, et franchement, ça déboîte, c'est du très très lourd, du très gros niveau. Donc ce matin, j'ai pas pu le streamer parce que le jeu ne voulait pas. Enfin, l'application ne voulait pas le lancer. Donc en tout cas, donc c'est parti, je vais faire une nouvelle partie. Je vais mettre en difficile. La seule différence, c'est qu'en difficile, t'as un chrono par contre, et que quand ton chrono il tombe à zéro, tu perds des cœurs, c'est ce que j'ai pu voir en tout cas. Voilà, et puis les ennemis sont plus puissants et résistants, bien évidemment, c'est normal. Donc on peut choisir Wonder Boy ou Wonder Girl. Wonder Girl est nouvelle, elle était pas là avant. Je vais la choisir, dans la première partie j'ai pris un bonhomme. Je prends la vie pour changer, voir ce que ça vaut. Et je me demande en tout cas si visuellement ça peut changer au niveau de transformation. On verra ça. Donc c'est parti, l'orée de Monster Land. Après avoir surmonté moult obstacles, tu perds le château du monstre. Ta destination. Du redoutable dragon. Né cadre. Et tu es mieux de te douter que le dragon est capable d'ensorceler ses ennemis. Et donc voilà, ça commence comme ça. Donc c'est parti pour l'ultime donjon. Et oui, ça commence par l'ultime donjon. Et oui. Gameplay à l'ancienne. Hein. En tout cas, faut vraiment anticiper les déplacements des ennemis pour attaquer. La portée est vraiment très courte. Au début, tu commences avec le stuff ultime. Hein. J'ai une très grosse barre de vie, j'ai une arme ultime, une épée ultime, et armure ultime, bouclier ultime, tout ce que vous voulez, quoi, en gros. Tu peux voir que j'ai déjà perdu un tiers de cœur parce que bah, le chrono. Voilà. C'est donc la spécificité du mode difficile. Oula, je sais pas que ça allait faire ça. Et le truc qui est excellent dans ce jeu là, c'est qu'on peut changer donc des graphismes modernes et rétro quand on veut avec la gâchette droite. Comme ça. C'est excellent, j'adore. Mais pas que, on peut aussi changer avec le stick droit en appuyant dessus, on peut changer le son. C'est juste excellent. Donc on peut changer vraiment le son avec les bruitages et la musique, donc le tout. Et les graphismes. Comme on veut. Indépendamment, plus l'un de l'autre. Donc avoir les graphismes rétro. Avec la bande son moderne et inversement. Franchement, c'est classe. Plus, franchement, le travail artistique fait par les petits gars de Lizard Cube. Franchement, c'est une réussite. C'est une merveille. Je kiffe. Il est juste somptueux graphiquement. Tout dessiné à la main, c'est vraiment magnifique. Un bel hommage en tout cas à ce jeu, à ce monument du jeu vidéo. Bon, après j'y vais un peu à l'arrache. Sachant que j'ai l'armure ultime et tout, hein, j'ai pas besoin d'y aller vraiment en mode subtil. Oula. Bon, ce qui est chiant, c'est que même quand vous prenez un coup que vous êtes invulnérable, vous allez quand même reculer, vous ne pourrez pas toucher les ennemis ou les attaquer pendant ce temps-là. C'est un peu plus compliqué. Vous ne pourrez pas abuser de votre état d'invulnérabilité. Par contre, en fin de compte, ouais, je me dis, le mode difficile n'est quand même pas si simple parce que, oui, le chrono. Le chrono. Quand t'as 8 cœurs, ça va, mais quand on a que 1 comme là, ah, ça va être tendu, hein. Ouch. J'aime pas ce passage. Je vais mourir. Ah oui, il faut attendre.
Je déteste attendre quand ta vie est en jeu en plus. C'est un truc de fou. Fuis, fuis pour ta vie. Ah, je vais crever. Ah, c'est passé juste. Ah, et du coup ça change en Wonder Girl. Ah, excellent. Par contre, ouais, le truc qui est bizarre, c'est que... le visuel ne change pas du personnage. Que t'as un garçon ou une fille, le monstre reste, reste le monstre. Ah oui, bon, les dialogues, j'adore. Avec une tronche comme la tienne, j'irai faire dégoter un antidote. L'humour est excellent. Alors, me dis pas que le chrono avance aussi dans le village, ça serait bâtard. Je crois pas. En tout cas, j'espère. Et voici mon deuxième cœur, oui! Je revis, je vois. Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi un village caché, un marchand caché. C'était où déjà? Il est là. Tire droit devant, ouais. Donc c'est un marchand d'items, donc tout ce qui est marchand caché, c'est des marchands d'items. J'ai vu qu'il y en a deux dans le village. L'autre, il faut que j'ai la transformation du faucon pour pouvoir y aller. Mais de toute façon, c'est que des marchands d'items, donc c'est pas intéressant. Surtout qu'en plus, ces items, tu les perds tous quand tu meurs. Tu conserves ton équipement, donc armes, armure, bouclier. Tu conserves tes sous, mais tu perds tes items. Items à usage unique, mais franchement, je les trouve pas terribles. À part l'éclair qui dégomme tout à l'écran. Le reste, je trouve pas ça utile. Dans la partie que j'ai commencé tout à l'heure, je m'en suis arrivé à quasi la moitié du jeu. Ouais, je dirais la moitié du jeu. Ben, franchement, les items, je m'en suis quasi pas servi, je trouvais ça inutile. Alors, faut que j'aille où déjà? J'ai pas la clé pour ça, mais... Ça, c'est l'armurier. Ah, c'est ici, je crois. Ce qui est marrant, c'est juste qu'il y a un petit côté Metroidvania, j'aime bien. C'est obligé de faire des allers-retours avec tes nouvelles transformations et tout, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez, go la plage. Oups. Par contre, ce qui est plus compliqué à gérer avec le dragon... Bon, ok, il a une bonne allonge de tir et tout, donc c'est bien, il est cheat à ce niveau-là. Mais par contre, t'as un malus, c'est que tu n'as pas de bouclier, donc tu peux pas parer les coups à distance. Ça, j'ai pas d'attaque, j'ai pas de défense, j'ai rien, je suis useless. Ouais, ouais, ouais. Allez, je vais prendre cher. Purée. Il file quand même pas masse de cœur. Dans ce jeu, il te file quand même pas mal de sous, mais des cœurs, bon courage pour en avoir. Ah ouais, ouais. Solitude. Oh putain, j'y croyais. Lâche-moi, enfoiré. Bon, on le sent, le game over, hein. C'est bon, on le sent venir. Hein. Survie quand même. Et merde. Il est même pas mort. Toujours pas mort. What? On dirait qu'il te file plus de cœur quand t'as plus beaucoup de vie. C'est cool.
Oh, dans ce cas, le jeu n'est pas si compliqué. Enfin, si ma théorie se justifie bien. Bah, allez. Ah, t'es sérieux, mec? Voilà. Là, j'ai pas de temps à perdre en plus. Il y a pas dire, il y a un sacré travail de fait. Hein. Ce jeu est vraiment magnifique. Ah, je déteste cet écran. Parce qu'il y a mon pire ennemi qui va apparaître pour la première fois. Ceux qui connaissent le jeu vont savoir de qui je parle. Sinon, non. C'est le nuage. Ah, bravo, bravo. Ah, je suis déjà mouru. Ah, merde. Ah oui, effectivement, j'ai pas de défense. Putain, en plus, je ressens plein dedans. Ah, ça me saoule. Allez. Game over. Ouais, le jeu en difficile, il est difficile. Ouais, il porte bien son nom. Ouais, parce que je faisais le jeu en normal et je le trouvais quand même assez simple. Là, ça change tout. Bon, après aussi, il faut dire un truc, c'est que je n'ai pas d'équipement. Là, j'ai encore le stuff de base. Encore un petit newbie. Alors, épée de mithril, voilà. Armure et bouclier, j'ai assez pour tout acheter, nickel. Tout le stuff niveau 2, on va dire. Et c'est reparti. Ah merde, par contre, je gagne pas mes cœurs. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, parce qu'en normal, quand je réapparaissais, c'était avec tous mes cœurs. Ah ouais, là, c'est juste un seul, ok. Bande de radins. Oh oui, un petit coup de lag, bizarre. Mon premier du jeu. Ce qui est marrant, c'est que je m'équipe d'une épée et tout, d'une armure. Mais je suis un dragon, voilà. Et visuellement, je n'ai rien sur moi, quoi. Je suis à poil. Super. Allez, un petit cœur, soyez gentil. Allez, monsieur, dame. Putain, mais je m'en fous de tes items, donne-moi des cœurs. Oh, mais sérieux. C'est difficile, hein. Bon, je repars encore avec un cœur. Bon, je vais aller voir la guérisseuse. J'espère que ce soit pas trop cher non plus. Gratuit. Attends, elle me dit la première fois c'est gratuit, mais... Ah oui, d'accord. Effectivement. Ça ne l'est plus. C'est juste le coup du chrono qui est un peu relou. Je sais pas si avant il y avait ça, je crois pas, ça me dit rien. Bah il me semble qu'à l'époque, en tout cas, le Wonder Boy 3, il y avait juste une difficulté imposée de base, et tu ne pouvais pas changer, je crois pas. Je crois que c'est nouveau ça. Et bon après comme le jeu il est assez court, on a pour... allez. Pour un premier run, faut compter environ 5 heures je dirais. Tu connais pas trop le jeu, t'es un peu perdu, tu essayes de fouiller partout. De faire le 100%, ouais, 5-6 heures grand max. C'est pas un jeu qui est très long. Il est très dur. Ah, sauf en difficile. Et vu qu'à côté Metroidvania où tu peux faire des allers-retours et tout, gagner des sous, t'améliorer. Ah, mais. Voilà. Tu peux t'améliorer en arbre, en armure et tout, donc du coup, ça passe, ça passe.
En fait, j'ai rien dit, ce jeu est vraiment radin en cœur. J'adore quand il déroule en boule, n'empêche. Comme à l'ancienne. Ah, la bande son à l'ancienne aussi, c'est classe. Fuyons! Fuyons! Ouais, j'ai la clé du village. Et là, quoi qu'il y a. Armure de gobelin. Cette plaie de déguisé en gobelin. En mode travesti. Extrémité poilue, on s'y fait rapidement. Plus zéro en défense. Pour le prix demandé, c'est bizarre. Bouclier de maître. Ouais, bizarre. Ouais. J'adore cette musique. Ouais, donc du coup j'ai pas assez d'argent. Je suis pauvre. J'ai mis un peu de farm d'argent, mais... Plus 13, plus 10. Il faut quoi? Il faut 180, je crois. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait que plus tu tues les mêmes ennemis en boucle, moins ils rapportent d'argent. C'est peut-être moi, hein. Plus 8, ouais. Plus 8. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est ça. Hein. Je crois que j'ai raison. Oh, un cœur. Plus 12. Ouais, je sais pas en fait. Allez, encore une ou deux fois, et ça devrait être bon pour le bouclier, je crois. Non, c'était l'armure. Encore mieux. Plus 12. Ouh, un sac. Plus 20, ah d'accord. Paye ton sac. Allez. Non, j'ai plus qu'à me laisser tuer, en gros. Parce que je savais que j'arriverais pas à revenir indemne au village, c'est peine perdue. Bon, sait-on jamais. Avec le coup du chrono, j'y crois pas trop. Sauf s'il y a des cœurs, ouais. Ouais. Hop là. Ouais, peut-être que je peux rester en vie, hein. Peut-être. À moi la pièce. Oula, ouh. J'ai eu chaud, je crois que j'ai tombé dans la flotte et recommencer du coup tout le passage pour remonter. Ça aurait été un peu relou. Voilà, retour au village. Ouais, non, je vais quand même aller me faire soigner. En tout cas, ça change par rapport à l'ancien temps. Ouh! T'as de grands yeux, tu sais. Et on va aller dans le désert. Ouais, pour là ça va être tendu. En fait, la musique de matin, c'est quand même mieux. Hein. Pour les oreilles, c'est quand même mieux. Le bruit des tirs, ouais, à force, c'est un peu insupportable.
J'aime beaucoup, hein, mais ouais, ça fait un peu mal aux oreilles. Attends, 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 je crois qu'il y avait un truc ici. Eh, d'où ? Ah non, j'ai pris un coup avec le temps, d'accord. Où je suis passé, je sais même pas comment. Ouais, je manque de dégâts. Ça se ressent. Prenons l'item. Même s'il durera pas longtemps. Que je vais bientôt clamser, j'imagine. Aïe! Ouais, pas perdre de temps. File-moi un cœur! Je vais t'arriver à la porte. C'est quand même bête de mourir avant. Oui, ça serait très bête de mourir avant. Y'a quoi déjà, un coffre? Avec un cœur ou non? Non. Ok, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Super. Ok, c'est un coffre de merde. Ah ouais, moi je dis les choses clairement. Ah oui. Voilà, un cœur, oui. Ah, la gueule des poissons en rétro. Je sais pas en quelle version ils ont l'air le plus con. Ouais, en fait c'est kiff kiff. Sexy sexy. Oh yeah. Oh, toi tu vas pas. Hein. Wouah. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que là-bas il y a un cœur, je sais. Je l'ai fait ce matin. Ça va être tendu. Hein. C'est là où tu te dis ouais, les contrôles des fois sont un peu laborieux. Youhou! La pyramide a escaladé tout à l'heure. Nickel. Et là, il me semble qu'il y a un cœur. Voilà, nickel. Parfait. Par contre, là, je vais me prendre un cœur dans la gueule. Voilà, je l'avais dit. Prenons les sous au passage. Et on remonte encore. Ouais, case par case. J'ai tout essayé, on ne peut pas faire deux par deux ou autre. Hein. Non, pas moyen. Donc désolé, hein. Avec. Filez-moi des cœurs. En gros, en mode difficile, tu cherches plus de cœurs que d'argent. C'est tellement ça. Non mais le truc c'est que j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait directement difficile. Enfin, j'avais commencé le début du jeu en normal mais j'aurais dû quand même continuer en normal sur mon stream et tout. Mais... ouais. Maintenant que c'est fait, hein, je continue sur ma lancée. C'est vrai que quand tu connais pas trop le jeu, enfin que tu te rappelles plus trop, je l'ai fait vite fait à l'époque je me rappelle. Bah, je l'ai un petit peu oublié. Hein. C'est vrai que depuis sa sortie, je l'ai même pas dit d'ailleurs à l'époque. Ouais, je l'ai un peu beaucoup oublié le jeu. Donc je ne connais plus le cheminement exact.
Ouch. En tout cas, ce jeu vraiment est terrible. Moi, je ne saurais que le conseiller. Même à 20€, il les vaut largement. Rien que pour le travail rendu au niveau de la bande-son et des graphismes, c'est un sacré boulot. Ce jeu, c'est une tuerie, quoi. Rien que l'original est terrible. Alors celui-là... Ah, moi, je ne peux que le conseiller, en tout cas. Le gameplay est facile d'accès. Pas évident à prendre en main au début, avec le gameplay un peu... comment dire, un peu savonnette, si je puis dire. C'est pas évident à prendre en main, mais... on s'y fait rapidement. Un gameplay simple, mais efficace. Ouh, ça j'aime pas. Encore un deuxième, il me semble, non? Ouais. Pas non plus les toucher. Mais les sauts ils sont millimétrés. C'est pas évident. Tu le sens un peu le truc fourbe hein, quand même. Hein. Non. Ah mais passe. C'est chaud des fois. Oups. Ah ouais, carrément, c'était comme ça avant. Waouh, dur. C'est le boss ou pas? Ouais. Ouh, ça va peut-être pas passer, hein. Je suis pas sûr. Hein. Celui-là, j'avais galéré la première fois que je l'avais fait déjà, je me rappelle. Enfin, je me rappelle, c'était ce matin, mais c'est pas grave. Ouais, j'avais galéré quand même. Enfin, il est pas très dur en soi, mais... c'est qu'il peut te toucher avec ses pattes et quand tu fais pas gaffe, bah voilà, il te blesse bêtement. Si seulement quand je pourrais me déplacer en étant accroupi, ce serait bien. Mais non, tu peux pas, t'es sur place. Bon, heureusement par contre, il est pas puissant du tout. Hein. Par contre, il est résistant la vache. Waouh! Ah ouais! Il serait déjà mort en normal, hein. Oh purée, ouais! Allez, grouille! Encore un quart de vie! Ouch! Ah, j'ai fait de la merde! Ouh, j'ai encore fait de la merde. Et je commence à paniquer, ça va pas le faire. Oh non, encore une fois. Oh non, je suis dégoûté. Oh non, non, non. Meurs. Voilà. Pouf, c'est passé. Heureusement que j'ai l'armure. Hein. Et je suis maintenant en souris. La pire transformation du jeu. Parce que je suis tout petit. Et donc la portée de l'attaque, eh ben voilà, elle est ridicule. Comme moi. Par contre, la tronche en mode rétro, je m'en rappelais même plus, mais quand j'ai vu ça... Oh, il est trop moche en rétro. On dirait un Mickey dégueulasse avec des grands yeux. Witch. À moi les sous. Alors, pour s'accrocher, on fait comment déjà? Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Voilà. Ouais, en tout cas, ce jeu, il est vraiment excellent. Yop là. Petit passage caché. Il est obligatoire, donc au final, pas si caché que ça. À moi les sous. Oui.
Alors, il y a un marchand ici qui me vend un bouclier dansant, le top pour les rongeurs, plus 65 en défense. Des acrobates de toute taille en raffole. Voilà, et on se casse. Return. Retour au village. Et maintenant, j'ai accès à la partie gauche du village. Et ouais, parce qu'à gauche, il y avait des damiers. Et si je prends ça, il y a quoi? C'est un marchand encore? Ouais, c'est ça. Bouclier de chevalier, armure princière. Fais palpiter les cœurs et les miens en émoi. Idéal pour les créatures à plumes. Ouais, mais j'ai pas assez de sous, je suis pauvre. J'ai la gueule de la souris là, avec les PBC. Limite trop lourde pour elle. Bon, par contre, ce décor, je le déteste aussi. Faut les Refelsk. Non, les réflexes. Ah non, non. Mais d'où j'ai pris un coup? Je suis pas d'accord, je conteste, je conteste. Non, non, non. Ok, tu vas mourir. Ah, le gameplay de la souris, je suis pas particulièrement fan. Pour moi, c'est vraiment la transformation la plus inutile. Enfin, pas inutile non plus, non, parce que t'as quand même le gameplay qui est bien propre à elle et tout, et les nouveaux passages qui se déverrouillent et tout, donc c'est pas trop mal non plus. Ouais, en fait, je l'aime pas du tout, voilà. Ouh, plus 95 d'attaque, bien. Ah, par contre, j'ai pas assez pour l'armure. Pas cool. Voilà, et maintenant, on passe sur la partie la plus chiante du jeu. Parce que, comment je l'ai tué avec une épée qui fait 2 mm? C'est pas cool. Allez! En plus, je les one-shot pas. En normal, oui. Là, non. Puis, c'est fou de ma gueule, hein. Bon, on le sent, les game over. On le sent, on le sent. Oui, attends! M'en fous, meurs. Et le chrono qui va me tuer. Fou, j'ai les sous. Route. Petit ange. Ça sert à quoi ce truc là? Une potion gratos? Ça tombe sur un cœur? Ouais, c'est ça, on dirait. Du coup, faut que j'y retourne. Ce jeu, il veut mes sous. Tous mes sous. Donc, ouais, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de téléporteur, il n'y a pas de checkpoint. Quand tu meurs, c'est vraiment retour au village et tu recommences tout. C'est pour ça que le jeu en difficile, bah, il a un bon challenge, mine de rien. Je vois, c'est chaud à faire. Ah ouais, carrément, le mec il me fait un headshot. Allez! Oui, je fuis. Oui. J'ai même pas honte. Oh, l'ennemi bouge même pas, je me le mange dans la gueule. Là, c'est fort.
pity cœur, soyez gentils, braves gens. Offrez-moi un pity cœur. Ah non, pourquoi? Ouf, ok. Ah non, j'ai plus de vie. Non, non. Filez-moi des cœurs, vous. Ah, ça one-shot même pas l'éclair non plus. Ça pue. J'y avais cru, hein. Ce jeu me déteste. Allez plus vite. Bon bah c'est reparti. Allez, on redépense encore les sous. Je me dis pas que c'est plus cher encore. Non, je crois pas. Je crois que c'est que là, ça, en fait, ça augmente selon ton avancement dans le jeu. C'était à 20, après c'est passé à 40, après c'est passé à 65. Donc je pense que oui, ça, c'est au fur et à mesure du jeu. Plus t'avances, plus c'est cher. Je pense pas que c'est lié à tes morts. Qu'à chaque mort, le prix augmente. Oh, mais allez! Ah mais attends, mais je suis con. Bah oui, voilà. Tout simplement. Oui, bah oui, oui, puis c'est aussi, oui. Allez. Viol en direct. Avec ça devrait. Eh ouais, moi je suis du kill à l'envers, eh ouais. Plus badass que Spider-Man. Eh ouais, ma gueule. Bon. Nouvelle armure, youpi! Oh mais... Mais je les déteste! Cherche même pas les kills. Ouais, toi non plus. Tu m'esquives, je t'esquive. Toi aussi, allez hop! Allez hop! Allez non! Filez-moi des cœurs! Des sous, je m'en fous. Aïe 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 aïe. C'est trop dur. Pas un seul item. En fait, c'est dur parce qu'il n'y a pas de cœur dans ce jeu. Allez! Il devrait te donner un. Je sais pas, mettre un seuil comme quoi là, en dessous un cœur, tu devrais avoir plus de chances d'en choper. Et non, y a rien. Donc en fait, tu passes d'un mode normal qui est extrêmement simple. Franchement, oui, faut le dire comme c'est, hein, c'est vraiment bidon. À un mode difficile qui est vraiment hardcore, de par son manque de vie. Et la vie qui part toute seule, avec le temps. C'est super dur. Il te mettrait des checkpoints, il te mettrait plus de cœur, ou des items de soins, je sais pas, ça serait bien quoi, y'a rien. T'as juste des potions bleues que tu peux acheter à la boutique, dans une boutique cachée. Dans le village, je veux dire. Dans le village, dans une boutique cachée. Et puis voilà quoi, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Flipper, flipper ma gueule. Oui. Crap, j'aime pas son gameplay. C'est trop bizarre. Allez, on recommence.
Quelle transformation inutile. Lâche-moi! J'ai tellement envie de rusher, ça me démange, mais je me dis si je rush, je vais encore plus me faire péter la gueule. C'est déjà le cas en fait. Putain. Allez, mais soyez gentils! Non! Non! Arrêtez le viol! Bon, est-ce que je vais pouvoir passer les différents murs maintenant? Putain, plus faut anticiper le déplacement de l'ennemi. Oh, genre de chambre bien fou. Oh, c'est pas possible. Non, 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 j'ai halluciné là, j'ai eu un cœur. C'est vrai? What? Mais what? C'est quoi ce... C'est quoi ce rebond de merde? Allez. Faisons pas les fifous. Allez, on va y arriver. On va y arriver. C'est ce qu'il faut se dire. Restez confiant. Tu vas trop vite, mec! Ah, mais là, j'ai pas le choix. Juste un cœur, je demande juste un cœur! Ah! Non! 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 Je vais me faire péter la gueule. Y'a quoi là? Je crois que c'est un coffre pourri en plus. Ah non, non, oui, 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 oui! Oui! Un cœur. Je revis pour quelques secondes. Là, je peux acheter une potion, mais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que après, je perds tous mes sous. Bon, allez. Mode pauvre, me revoilà. Ah ouais. Allez. Ah parce que je suis à mi-chemin du boss, donc c'est pour ça que j'ai envie de quand même continuer un petit peu. Youhou. Merde. Pourquoi j'ai pas la clé? Elle est où? Ah mais c'est pas bon ça. Elle est où? Ça se trouve c'est un ennemi qui la lâche. Oh putain, je suis deg. C'est ça, je suis deg. Je sais pas où c'est du tout. Bah ouais, je me rappelle plus du jeu moi. C'est ça le truc. Là il la vend pas. Ouais, c'est un mec qui la lâche, hein, c'est ça. Maintenant on va savoir lequel. Oui, allez. Je me tape des ennemis dans la gueule. C'est tellement bon. Ah, mais. Même pas de cœur. Même pas de cœur. Bande de rapaces. C'est lui, en fait, je regrette d'avoir acheté la potion. Ah, 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 ah. Ou peut-être pas. Allez, hop. On recommence. Youhou. Ah, si seulement il y aurait un checkpoint ici, ça serait génial. Non, là c'est juste pour avoir un coffre pourri à l'extrême droite. C'est une perte de temps. Je vais pas le faire. Là, il faut que je rush au boss. Si possible. En plus, le boss il est vraiment extrêmement bidon. C'est le boss le plus ridicule du jeu.
Mais le truc, c'est que faut pas que j'oublie, je suis en difficile. Donc, la vie part toute seule. Il faut quand même que j'ai un petit stock de vie. Ah là, c'est Vislar ici. Là, faut s'en méfier. Il y en a qui me restent en haut, il y en a qui descendent. Donc attention. Voilà, le troisième. Ça, ils font mal en plus. Niveau dégâts, ils font mal. Merci. Oh ouais, la tronche de la souris, quoi. Ignoble. Un pile des cauchemars. Allez. Ah, ça me touche carrément avec le chapeau. Ouais, en fait, je sais pas si les bruitages, hein, c'était mieux avant, hein, par contre. Hein. Parce qu'on dit souvent dans les jeux vidéo, ouais, c'était mieux avant, mais... Bon, là... Bon, à l'époque, c'était bien, hein. Ça avait son charme et tout. J'aime bien les musiques, par contre, mais les bruitages... Ouais, ça te vrille les tympans. Hein. J'ai le son assez fort, c'est pour ça aussi, mais voilà. Je préfère quand même les sons de maintenant. Non. Allez, un petit cœur. Allez. S'il vous plaît. Ça, c'est typiquement le genre d'ennemi qui te... Ça fait chier en difficile parce qu'ils sont tellement longs à tuer que tu perds facilement un quart de cœur à cause de ça. Oula, ouh, je me suis fait avoir. Youhou, allez, tout en bas. Et on recommence à droite. Et après, c'est le boss. Je commence à manquer de vie, j'aime pas ça. Ah merde, en plus j'avais oublié les génies. Ah. Reviens. Pile-moi un cœur. Reviens. Ah non, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé. Ah, c'est horrible. C'est horrible, sérieux. Je peux pas. Non, mais il faut qu'il me file un cœur. Oh non, je suis dégoûté. Si seulement il y aura un checkpoint. Si seulement. Je pense que je vais aller mâcher des potions dans le village. Ce serait pas mal. Par contre... Combien? Ça, je ne sais pas. Alors déjà un petit... Ah merde, c'est passé à 100 ou alors c'est lié à ta vie en fait. Plus il y a de cœur, plus ça coûte cher. C'est peut-être ça en fait. C'est possible. Et merde, c'est pas le bon marchand en plus. Non, le marchand en question, il n'est pas ici. Celui qui te vend les popos, il est là-haut. Il faut que je sois un faucon. Parce que la porte, elle est juste en dessous celle-là. Et je pourrais pas y aller. Non. Ah. Putain, c'est du one shot. Il y a d'une traite. Eh ouais, à l'ancienne quoi. Pas de checkpoint, pas de sauvegarde, rien, que dalle. Au moins je conserve mes améliorations, je conserve mon équipement, je conserve mes sous-sous. C'est déjà ça. Donc bon, c'est pas non plus infaisable, mais bon, il faut persévérer quoi.
faut pas non plus s'arrêter à la première difficulté venue. Vivement que je me débarrasse de la souris, hein. Ce sera vraiment pas mal. 460, ouais, laisse tomber. Sympa aussi à l'ancienne. Les décors font un peu charger, mais ça reste pas mal. Ça a son charme. Mais bon, clairement, vaut mieux quand même jouer avec les graphismes de maintenant. Faut quand même rendre hommage au travail qui a été fait par les petits français de Lizard Cube. Il me saoule à sauter. Voilà, meurs. Ouch. Je crois que je vais quand même aller récupérer la potion, enfin chez le marchand. Ça peut être pas mal. Ah non, non! Je déteste quand ils font ce coup-là. Enfin, ils marchent quoi, c'est tout, mais quand ils font marche arrière, j'aime pas ça. Ouais, heureusement, tu gagnes pas mal d'argent dans ce jeu-là. Hein. Parce qu'il en faut. Hein. Entre les potions à acheter, et puis... Oula. Ouh, j'ai fait du caca. Entre les potions achetées et le médic, eh ben ouais, ça coûte bonbon tout ça, mine de rien. C'est-à-dire que je n'ai jamais dépensé une seule pièce d'or chez le médecin. Normal. Et en potion non plus, je crois pas d'ailleurs, mine de rien. Quand j'y repense. Ça va, se laisse en bidon. Et il loot rien. Hein, une clé? Pourquoi une clé? Ouais, j'ai une clé encore en stock. Bizarre ça. Merci pour les sous. Hé. Vous croyez quoi? Que les coffres ils s'ouvrent deux fois? Bah non. Putain, c'est cher les potions. Limite, je pourrais rester ici, farmer les potions, mais je me dis... à quoi bon? Je vais perdre plus de temps et de cœur qu'à en gagner avec la potion. Donc ouais, j'oublie. Ouais, et en fin de compte, la clé, la fois à chaque fois. Hein. Parce que si tu meurs, la porte se verrouille à nouveau. Je ne savais pas. Là, je tape dedans, j'ai le bouclier qui part automatiquement. L'habitude du dragon, je crois. Ouch. Oh, super combo dans ma gueule. Allez hop. Ouf, au moins ça rembourse un petit peu des dégâts pris. Ça va. 3. Ah, le troisième, tu fais gaffe. On recommence. 1, 2. Le troisième, tu fais gaffe. Et le quatrième, tu fais gaffe aussi. Ouais. Ouh, beaucoup de cœur. Ouh, le jeu était gentil, là. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une demi-heure de jeu sans cœur, c'est ça? Ouais. Bon, quand même pas, mais bon, ce serait possible. Allez. On continue. Je sais pas pourquoi je cherche à les tuer parce que ça sert à rien, ils sont trop nombreux, ils donnent pas de cœur. Autant persévérer et avancer. Hein. Oups là, ouf, 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 ouf.
J'ai eu chaud au cul, je crois. Ah, il loot que dalle. Ah, ouch. J'ai bien fait de reculer. Bon, la moitié est faite. Encore une demi-barre de vie, plus encore une potion. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Il y a moyen d'y arriver. C'est pas sûr, mais ça reste possible. On va y croire. Il faut y croire. Et merde, j'avais oublié. C'est génie. Là par contre je me méfie, parce que là, ouais, là ça peut être très dangereux. Ah ouais. Ils sont trop résistants, ceux-là, j'ai pas l'arme qu'il faut encore, j'ai pas assez de force. C'était très utile. Ah non, non, non. Donne-moi un cœur. Enfoiré. Là, donne-moi un. Allez. Enfoiré. Bon bah. Je vais mourir. Il reste ma potion, certes, mais bon, voilà. Le boss c'est bientôt. Le boss est quand même long à tuer en plus. Ah merde, je... j'ai même pas tilté. Y'a un mec qui me fonce dessus. Ouais, normal. Je vois très bien. Putain, mais ils font mal en plus. Waouh. Bon, on y croit ou on y croit pas? Perso, moi avec un cœur et demi, j'y crois pas. Hein. En plus, je lui tape du 4 points de vie. Oh ben non, mais tu déconnes là. Je tape plus de 20 fois. Non, là, je vais taper. D'accord, okay, donc ça dépend en fait des coups. N'empêche que j'y crois pas. Hein. Même si ce boss est tellement ridicule, il veut même pas te toucher. Peut-être si j'y arrive. je sais pas, mais. Ouais, je sais pas. Je vais commencer à concentrer, ça serait pas mal. Et c'est toujours pareil, hein, t'esquives deux fois, tu tapes. Je sais, c'est bidon. Mais bon, à l'époque aussi, il faut dire que les boss n'avaient pas non plus une IA très développée. Hein. C'était pas évident à coder. Hein. C'était comme les ennemis ont un seul mouvement disponible. Hein. Avec une attaque. Les boss, c'est pareil. Ils ont 2-3 coups grand max et tout. Et encore, quand je dis 3, je suis gentil. Et le coup de grâce. Et après je suis débarrassé de la souris. Oui. Et maintenant je suis transformé en homme poisson. Et maintenant je ne sais pas où je dois aller parce que je me suis arrêté là dans ma première partie. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Oui, puis oui, bah, j'étais perdu en fait. Tout simplement. Tout ce que je sais, c'est que je dois revenir
au village. Après, je sais plus. Je sais plus. Ouais. Là, y a rien de nouveau. Ah, la tête, j'adore. En train de réfléchir. Ici, quoi qu'il y a. Ce qui est marrant, c'est que quand tu changes d'écran en mode rétro, hop, t'as le mot de passe. Et le mot de passe est disponible pour la version Master System, si je dis pas de bêtises. Wonder Boy 3, c'était sur Master System, il me semble. Et voilà. Et donc les mots de passe sont rétroactifs sur les deux supports, ça c'est génial. Ben. Non, c'est le. Ouais, ça sert à rien. Je sais que dans la. Dans la plage, il y avait des passages sous l'eau, je pouvais pas y aller, mais il me fallait des. Il me faut le lion, je crois, pour casser les blocs de pierre. Donc non. Ouais. Il doit y avoir un truc ici, j'imagine. Ouh. Ouh, mais c'est que je suis riche. J'ai envie de tester un truc. Tester un truc. 780, ouais, ça a conservé mon stock de pièces. Je veux voir s'il n'y a pas un glitch possible avec l'argent. Avec les coffres. Parce que je sais pas si ça sauvegarde juste après que j'avais récupéré ou pas. Eh non, je peux récupérer encore. C'est abusé. Oui! Allez, une dernière fois, ça fait du bien. Je sais que c'est pas bien de tricher, mais bon. C'est tellement tentant. C'est trop génial! Ça me fera un petit 1500, ce sera pas mal. Bon, par contre, j'imagine que si je quitte la maison, c'est mort. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, on va aller plus loin. Bouclier aquatique. Pour avoir la classe sous l'eau. Allez, hop. Il ne rouille pas quand il pleut. Je kiffe les dialogues de ce jeu. Bah je crois que là j'ai fait le tour hein, pour l'instant, parce que je ne peux pas aller à la autre porte sous l'eau parce qu'elles sont derrière des blocs de pierre. Donc si je ne peux pas aller ici, je peux peut-être aller dans les niveaux dans le désert. Dans le désert il me reste quoi à trouver. Je sais même plus. Non, je crois pas qu'il faut y aller non plus, parce qu'il y avait aussi des passages chelous, mais il fallait casser le bloc de pierre. Et le bloc de pierre, c'est avec le lion. Je vais aller dans le doute, je vais aller dans le volcan. Depuis tout à l'heure, je troll, c'est trop marrant. Le canyon, ouais, enfin, c'est pas, ouais, j'ai dit que c'était le volcan, pour moi c'est un volcan, mais... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est là où je dois aller ou pas. Ici une zone plus avancée, je ne sais vraiment pas. J'y vais un peu à l'arrache. Oh purée, oh purée. Je crois que c'est clairement pas de ma taille hein, pour l'instant. Meurs. Oh yes, full life.
esquive à l'arrache. Eh, pourtant ça passait bien. Hein. Ah non. Oui, ça fait mal. Oh, une potion gratuite. Oh, mais ils sont trop gentils ici. Masse de cœur, potion gratuite. Allez hop. C'est le festival, c'est cool. Et bon, du coup, je ne sais toujours pas si oui ou non c'est une zone où je dois aller. Merde, 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 merde. Il te fuit. Il y a un cœur sous l'eau, je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Non, je vais quand même pas y aller, hein. C'est dangereux. Et ils sont trop puissants, trop résistants. Oh, pff, merci, c'est gratuit. Ah non. Ok, il est en mode relou. Non, mais non, 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 ça marche pas. Ça marche pas, ils sont pas cool. Ah, je vais mourir comme ça. C'est pas une bonne technique, c'est pas une bonne technique, non. Attends, quoi? Le mec tranquille, il va sous la lave, ok, bon, pourquoi pas. Ouais. Et en plus, peuvent me violer comme ça. Ok, mais non. Bon, ok, au revoir. Quoi qu'il y a ici? Oh, oh, gentil. Et ça me dit toujours pas par contre si c'était le bon endroit ou pas. Armure de dragon. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Écailleuse et résiste à la lave. C'est parfait. Piranaman. Comment c'est écrit? Piranaman, c'est écrit comme ça? Il y a un N avant le H? Je sais même plus. Vas-y. Merde, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas lu le dialogue. C'est laquelle? Ah, il marque pas. Dommage. Soigner. Ça risque de brûler un chouïa. Non, de piquer plutôt. La lave, ça brûle. Les seringues, ça pique. Allez, on va se soigner quand même. Bon, je peux enfin passer sur la lave, ça c'est cool. Enfin, sur ou dans, je ne sais pas, je ne sais plus. Dedans. En gros, tu passes le début du volcan en mode YOLO et après tu passes tranquille. Bon, donc je... Mais arrête de me pousser! Mais... je peux rien faire! Fuck! Casse-toi! Cassez-vous! Arrêtez de me violer comme ça, mais... Attends, je suis gentil, moi, je suis pur. Ah, ce coup de ta vulnérabilité qui te gêne comme dans les déplacements, c'est relou. C'est très problématique. Ceux-là, ils font trop mal. Ok, ça je le sens pas. Alors, ouais, bah je pense que c'était un passage pour lui en fin de compte, hein. Ouais. Ouais, c'était là où fallait aller. Tellement plus de ça. Ouais, mais non.
Ah d'accord, donc ça marche plusieurs fois. Franchement, là, je me rappelle absolument plus de tout ça. Ah, ça c'est pour le lion. Que je n'ai pas encore, je pense que c'est le prochain d'ailleurs. Ou pas. C'est quoi? Ah bah. En fait, j'ai rien dit. Je crois que c'était le lion qui cassait les. Qui cassait les blocs. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, c'était comme ça. Bah ouais. Par contre, ça réapparaît ou pas? Ouais, ça réapparaît, heureusement. Ah, mais du coup, il y a moyen de booster un peu l'argent? Non. Non. Parce que ça ne réapparaît pas. Juste ceux que je n'avais pas cassés. Ok. Bon, bah, retour en ville! En tout cas, mais ce jeu, comment il est excellent! Je ne m'en lasse pas! Oui, par contre, là, je peux pas, parce que là, je peux pas casser en dessous. Donc là, oui, il faut le lion, parce que le lion, je me rappelle, il tape à 180 degrés. De haut en bas, quoi. Donc... du tonnerre. On peut pas le voir? Non. Ah, mais il faut une meilleure armure, parce que là, j'ai rien. 50 d'armure, c'est ridicule. Ok, j'avais pas fait gaffe non plus. En fait, selon ta transformation, il faut changer d'équipement. T'as plus ou moins d'armure après, selon ton personnage. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite... Ah, il n'y a pas un nouveau truc à acheter ici. Fais palpiter les cœurs aimés en émoi. Ça me parle bien, ça. Il parle de cœur. Alors ça donne un cœur en plus, ça donne plus de cœur quand je tue un ennemi. L'amour fait jaillir la vie. Oh, c'est si poétique. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Et en plus, j'ai plus d'armure. 56. Ouais. Ah ouais. Ben ouais. Et du coup, je suis ruiné. maintenant, question. Faut que j'aille où? Bah, dans le jeu, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit côté Metroidvania, donc c'est bien, donc moi ça te fait une petite exploration, un petit côté monde ouvert, explorairement à ta guise avec les nouveaux pouvoirs que tu débloques. Ça, c'est pas mal. Après, par contre, il faut savoir où aller, ça c'est autre chose. Là, par exemple, c'est pas mon cas. Donc, allez, je pars à l'exploration. Hein. Retour à la jungle. En fourmi. En fourmi, ok. En souris en plus. Ce que je déteste. Meurs. Oui, il y a un cœur. Hein, le cœur, il me file pas plus de vie. On aurait dit que si. Hein. Ah, ouais, je crois, mais je suis pas sûr. Je sais pas. YOLO! Non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas, YOLO. Dans ce jeu, c'est vrai. Ça ne sert à rien. C'est chouette d'esquiver. Hein. Mais elle est cool, cette armure. Je pense que je vais la garder longtemps avec moi. Si elle me file beaucoup de cœur, beaucoup de vie,
C'est nickel. Jackpot même. Bim, la mort vient d'en haut, mec. Bon, le passage un peu casse-couille. Tac. Ma gueule. Ah, en fait, le rebond de tout à l'heure, je vois ce que c'est, en fait, c'est... Merde. C'est le bouclier quand tu pars. C'est ça qui me fait reculer un petit peu. Ouf. Ouais, j'aime ça me prendre des coups. Y'a que ça de vrai. Ça forge le caractère. En fait, je suis venu jusqu'ici, je sais même pas pourquoi. Parce que là, y'a pas de truc à casser, non? En fait, j'ai fait de la merde, clairement. Faut le dire, j'ai fait de la merde. Bon, retour au village. Tout ça pour rien. Enfin, si, un peu de sous, mais... Enfin, voilà, quoi. Ensuite... Ouais, il y avait un... Ça se casse pas. Il y avait un passage avec des blocs à casser, mais c'était où? Un affreux lézard dans le coin. Parce qu'il faut que je me retransforme, c'est ça? Oh non, on me dit pas. Me dis pas qu'il faut que je me retransforme. Que je me retransforme en lézard, c'est possible. Mais si c'est le cas, j'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il faut que je me tape tout le volcan. Encore une fois, juste pour venir en lézard. Ça serait pas cool. Bon, allez, je m'en fous. Meurs, et toi aussi, et puis toi aussi. Putain, la portée. J'ai la portée d'un cure-dent, quoi, s'il te plaît. Entre guillemets, c'est avec toutes les transformations dans le jeu que tu veux, tu te sens balèze quand même. Mais vraiment. Mais quand t'es en souris, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ah non, 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 non. Oh, ça sert à rien. Ah, il faut que j'ai la... Le piranha, quoi. Ouais. Au moins, je sais que je ne sers à rien une fois de plus. J'ai la flemme de progresser comme ça. Alors, retour au menu, et voilà. Ben... ben... Ouais, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Ouais, ouais. Super référence. Ouh, j'ai pas vu ça. C'est quoi? Un nouveau cœur, peut-être? Ah, j'aimerais bien. Un marchand. Bah. Ouh, ouh, c'est bon ça! Stuff de cristal. T'es dans la tourmaline rouge, trop classe. Façonné à part d'un fragment de jaspe rouge. Forgé à partir d'une magnifique. Forgé à même un magnifique quartz mandarine. Ok. Pas mal les stats, pas mal. Mais cher. Pas mal aussi le tarif. Ouais. J'aimerais bien avoir, mais. Ouais, j'ai pas les sous. Voilà, j'aurais dû utiliser le glitch plus longtemps. Ça m'aurait filé plein de sous. Ça aurait rendu le jeu plus simple. Ouais, mais bon, je suis pas mec comme ça, mais j'utilise pas les glitches comme ça, non. Ouais, ça rend le jeu trop simple, y'a plus de challenge, c'est pas intéressant. Boum. Et reboum. Et re-reboum. Et encore, allez. M'en fous, j'ai une super armure qui me donne un max de vie, c'est trop bien. Par contre, non, faut pas qu'il me touche là. Parce que là, niveau dégâts, c'est pas la même. Merci pour le cœur.
Ah, dégage. Quoi? Merde! Merde! J'ai oublié un truc. Oui, forcément. Non, j'ai pas flippé, hein. Oh non. Tout. C'était une réaction parfaitement logique et sensée. Dégage! Oh, mais... Ce jeu me fait du mal. Il me veut du mal. Une petite souris, toute mignonne, adorable. Pourquoi vous voulez me faire du mal? Franchement. Bon, donc ils m'ont dit, faut que je me transforme en lézard, c'est ça. Parce que le cochon du village, il me... Allez, en enfer! Il me dit en gros des indices sur la progression du jeu, donc s'il parle de lézard, c'est qu'il faut être un lézard, j'imagine. Ah, vous avez vu ça, je suis trop intelligent. Ma déduction. Ouais. Allez, un petit cœur. Non. Oh, mais non. Oh non, me dis pas que c'est encore les... Ah si, et si, et si. Et si. C'est mes amis. Allez, je l'ai touché en plus. Putain, non, non, non. Ouais. Tout ça à cause de ma connerie. Si je me rappelais qu'il fallait que je sois en lézard et pas en souris. Eh ben, ouais, j'aurais pas eu à refaire le volcan. J'ai plus qu'un cœur. Sympa. Ah, au moins ça augmente la durée de vie, vu qu'il est pas long le jeu. Au moins que mes 11 euros soient quand même bien rentabilisés. Ouais, 11 euros parce que j'ai pris sur un store étranger. Pour ceux qui veulent, en tout cas le store brésilien, c'est jackpot. Parce que la Russie maintenant, ça commence à déconner. C'est plus cher qu'en France maintenant. De 1 ou 2 euros, mais quand même, ça reste plus cher. Alors qu'avant tout était à moitié prix, même moins. Maintenant, c'est plein pot. Poing. Ouais, attends. Je vais juste me reprendre celle-là, vite fait. Mais what the fuck les dégâts? Ouais, ouais, il m'a fait une potion, super. Une vie. Je vais mourir. J'en étais sûr. Arrête de me toucher. Franchement, la souris, je la déteste. Mais vraiment, c'est viscéral. Ah, je peux plus. Elle a rien pour elle. Et tu dis oui, mais elle est mignonne. Ouais, mais elle sert à rien. À partir de ce jour, je déteste les souris. Je me sens trop une victime. Pourquoi vous voulez du mal? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentil.
peux même pas le taper. Sérieux. Allez, c'est reparti pour le passage de l'enfer. Allez, allez, ça passe. Ça passe. Hein, what? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas me dire que... Non... Ça passe au-dessus de mon bouclier en fait. Oh putain... Mais je fais comment maintenant? Je suis censé faire comment? Comment je suis censé repasser maintenant dans le volcan tout en haut, tout à droite? Je peux plus. Je peux pas passer ça, c'est pas possible. Je m'en prends trop plein la gueule. Ouais. Et je ne sais pas comment faire là. Ouais, je vais quand même mettre une petite solution sur le net parce que je vois pas trop quoi faire en fait. Je vois plus du tout. Je sais, je suis mauvais. Je suis très mauvais. De toute façon, je pense que j'ai pas le choix encore que j'utilise. Ah, quoi que... ah, je sais pas en fait. Ouais, j'ai trouvé une vidéo là. Ouais, il est au volcan. Tiens, je suis perdu quoi. Je sais même plus quoi faire. C'est dingue. J'ai pas vu que je me suis pas bloqué tout seul. Attends, il retourne. Oula. Retourne dans la jungle. Ouais. Désolé pour l'attente, hein. C'est vrai que je suis un peu paumé, quoi. Il me faut juste une petite... Un petit visu, au moins savoir où je dois aller. Juste ça, parce que là, franchement, j'en ai aucune idée. Hein? Comment il est passé? Oh, ok, ok, non, d'accord. Hey, salut Fred! Ah ouais, ouais, ouais. Wonder Boy 3 sur Master System, ouais. Ouais, ça remonte à... Avant ma naissance. Ouais, il y a 28 ans. En fait, j'ai compris pourquoi j'étais bloqué, c'est tout con. Je vais vous montrer. C'est vraiment tout con. Hop, on se re-soigne. En gros, il faut aller là. Et voilà. J'avais pas tilté. Je suis des fois un peu teubé, ouais, ça m'arrive. Youhou! Ok. Je vais quand même y retourner. Hein. J'ai vu qu'il y a un passage en haut, sur lequel s'agripper. Ah bah j'ai fait le jeu il y a un bout de temps, mais je me rappelle plus du tout franchement. Alors, alors. Est-ce que au moins je peux passer? Ah ouais, attends. Merde, d'accord, en plus j'étais accroché, mais ouais. Et là, ça fait quoi si je fais ça? Là, il y a une porte. Qui me ramène là, ok. Ok. Eh, on peut spammer, c'est bien. Quoi que c'est.
Nyeh. Nyeh. Non, je peux pas. Attends, tu te fous de ma gueule là. Le jeu il m'a trollé je crois. Parce que... Normalement je viens d'ici. D'accord. Donc là il y a 1, 2, 3 passages. Ok. Je vais prendre le quatrième du coup. Que j'ai pas pris. Donc c'est le numéro 3, si je dis pas de bêtises. Je vais voir ce qu'il y a. C'est bizarre quand même. Il y a un long passage à droite, un long aller-retour, qui ne sert strictement à rien. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Et là, quoi qu'il y a. Ouais, en fait, il n'y a rien. C'est bizarre, ouais. Ou alors j'ai raté un truc, je sais pas. Je sais pas. Ah, cette victimisation. Sont super résistants. Oh, et oui, ils font bien mal. Attends, j'ai quelle armure? Armure princière. Pourtant, j'ai la grosse armure. Hein. T'hésites à acheter le jeu? Ouais, franchement, il est pas très long. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Moi, je suis mort. Ouais, t'en as pour. Si tu fais le jeu comme moins difficile, t'en as pour une bonne durée de vie. Hein. Après, faut compter, si tu joues en normal ou en facile, pour un 100%, faut compter 5-6 heures, je dirais. Donc c'est pas très long. Là, j'ai quand même augmenté le challenge en jouant difficile. Ça augmente bien la durée de vie comme ça. Mais même malgré ça, ouais, il est pas long. Hein. Le 100% n'est pas long non plus d'ailleurs. Après, si vous pouvez, achetez-le sur un store étranger. Hein. Bah, ce que j'ai fait, en tout cas. Je l'ai acheté sur le store brésilien. Il était à 11,50€ au lieu de 20. Donc tu prends une carte cadeau sur le net, et puis voilà, ça passe. En plus, c'est autorisé par Microsoft, donc il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de... Y a rien de comment dire de, on peut bannir, quoi. Ah, en fait, j'ai compris. D'accord, il faut que je ferai le troisième. Donc en tout cas, oui, il est court, mais il est très bon. Tac. Ouais, mais il est très dur aussi en difficile. C'est chaud. C'est très très chaud. Hop, allez, on recommence. Ah, purée. Laissez-moi tranquille. Je le sens pas là. Jouons avec précaution. Là je le sens pas non plus. Ouais, je fuis à chaque fois. Le truc c'est qu'en plus, c'est risqué ce que je fais parce que je perds la vie avec le temps. Je perds beaucoup de vie. Et fuck. Ah, je peux y aller. Ok. Ouais. Si le jeu le veut bien. Ah, mais la souris, mais elle est tellement inutile. Je la maudis. Je la maudis. Mais en plus, le truc, c'est que plus je meurs, plus je dois dépenser d'argent pour reprendre mes cœurs chez le médecin. Et donc, plus je me ruine. Donc je cours à ma perte. C'est trop dur, franchement. Ah, j'ai bien celle-là. Hein. Ouais.
C'est un truc de fou. Moi en tout cas j'ai fait le... Je crois que c'était le 1. Ouais j'ai fait le 1 et le 4 il me semble, de mémoire. Et en tout cas ouais j'ai... Le 3 j'ai quand même plus kiffé que le 1. Ouais. Alors, en même temps le 1 aussi forcément c'était plus... Plus ancien donc ça posait les bases. C'est quand même bizarre que là y a rien quoi. Je sais pas si je dis des bêtises, mais en tout cas, pour moi, le jeu de base à l'époque était plus facile que celui-là en difficile. Ah mais y a rien, c'est pas normal. Ou alors c'est ce bloc-là qui cache un truc. Peut-être. Bon bah, on recommence. Youpi! Parce que j'ai pas le souvenir qu'à l'époque il y ait plusieurs difficultés et qu'il n'y a pas non plus un système de chrono qui te tue. Ça me dit rien. Bah. En fait la souris c'est plus de l'esquive qu'autre chose. Tu peux pas aller au contact, c'est pas possible, tu peux pas. T'es tellement... T'as tellement peu de portée que tu peux pas aller au corps à corps. C'est trop dangereux. Il faut du meilleur équipement. Oh là là. Regardez-moi ça. Un coup, il me retire un cœur et demi sur 4. C'est abusé. Oh, en plus, je vais trop vite. C'est un truc de dingue. Limite, ça se dégoûtait du jeu. Ah, j'aurais dû passer en normal pour mon stream. J'aurais dû. Parce que là, je galère inutilement en fait. Mais bon, je veux quand même le faire avec un bon petit challenge, mine de rien. Et puis aussi, il y a un succès à la clé, donc je veux le faire. Voilà. Motivé. Mais c'est juste les passages en souris qui sont galères. Le reste, je galérais pas autant. Voilà. Maintenant, les serpents, mes némésis. Faut que j'avance, mais pas trop. Oupinaise. Oupinaise. Ah, mais là, j'étais un peu bloqué. Mais non, en plus, je suis coincé dedans. Fuck. Fuck ma vie. ouais, je fais comment maintenant? J'ai plus de sous. C'est un truc de fou. Ouais, une potion gratuite. Ouais, c'était la bonne époque, ça, la Mega Drive, c'était une bonne console, ouais. Ouais, c'était terrible. Que de bons jeux. Les Street of Rage, les Sonic, ah ouais. Le kiff. Bon, il me faut des sous. Non, pas bon moyen ici, non. Fait trop de chemin à faire pour rien. Où est-ce que je peux farmer les sous facilement? J'aurais dû faire la technique avec le coffre, hein. J'aurais dû, maintenant je regrette. Je dis ouais, je suis pas un joueur comme ça en fin de compte, ouais, mais quand il y a un gros challenge, quand tu manques de sous, avoir des sous illimités, c'est pas mal. Bon. Non, c'est pas la bonne porte. Je suis encore trompé. Je vais aller à la plage, hein, ouais. Celle-là. Oh oh oh, bah j'ai encore raté le truc. Je vais faire plus vite. Ouais, il y avait un truc à casser.
On va voir ce qu'il y a dedans. Ça m'intrigue. Oh. Mais c'est génial. Eh ben... Ouais. Ouais, je vais quand même prendre... Je vais quand même prendre l'homme piranha. Parce qu'il a un bouclier. Ça sera mieux. Je me sens revivre. Oui! Du coup, tu peux le faire à chaque fois, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. C'est cool. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais essayer d'aller casser les blocs à la plage. Je sais même pas si je peux maintenant. J'espère. Là, j'avais déjà été ou pas? Je crois qu'il y avait un marchand. Bingo. Par contre, lui, c'est pas se baisser. À moi. À moi les sous. Voilà, donc là, il y a un truc. Un petit cœur, merci, c'est gentil. Ouh, par contre, là, on tape sur les ennemis bleus. Bleu, c'est niveau 3, je crois. Non, même pas, non. Par contre, est-ce que j'ai le bon stuff pour cette forme? Ouais. Et là, non. Ça, c'est mieux. Et là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. Il n'y a pas à dire, hein. Quand on se sent... quand on est en forme haute que souris, on se sent revivre, mais vraiment. Oh purée. Tu vois genre la vie en rose quoi, la vie est mille fois plus belle. Putain. Ouh, ça c'est du pixel près. Hein. Non, à moi. À moi les sous. Oups. Des blocs qui bougent, ouais. Ah, et qui me blesse, ouais, d'accord, c'est pas sympa. Ouais, mais les sont quand même différents en version old school. En version moderne, il n'y a pas de différence, c'est naze. Mais il voulait pas y aller. Peur. C'est grand ici. Quoi qu'il y a ici? Un médic. Soyez des poissons dans le mal de mer. Excellent. J'adore les dialogues. Ah, il n'y avait pas ça à l'époque. La petite touche d'humour, elle est pas mal du tout. Rien que pour ça, les gars, ça vaut les 20 euros. Eh ouais, il faut acheter, il faut acheter. Alors en tout cas, c'est pas une déception du tout. Pour moi, c'est même un gros coup de cœur. J'avais kiffé les Wonder Boy à l'époque. Alors là, mais là, c'est magnifique, quoi. Ils ont remis déjà un grand classique au goût du jour, quoi. C'est un travail de ouf. L'épave. Ah, bah c'est un cul-de-sac. Merde, donc si j'ai raté un truc, faut que je refasse tout le passage. Pas cool. C'est quand même plus beau maintenant, y a pas à dire. Ça change tout. Hein.
Par contre, maintenant, est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Je ne sais pas. Ah ouais, le petit guet-apens là. Ah ouais. Avant le changement d'écran. C'est vice là. Mais. Ah ouais, il me reprend d'un seul coup, lui. Ah oui. What? Bon, il y en a plusieurs. Bizarre. Non! Arrêtez vos guet-apens! Et non! Ah, full life, merci. Voilà, là je préfère. De devant, c'est bien. Par devant, c'est mieux. Voilà. Par derrière, j'aime pas. Il n'y a pas d'allusion sexuelle. En sandwich, et ouais. Ah oui, la porte, je me suis dit, mais c'est un cul-de-sac ou... Ouais, non, heureusement que non. Oh non, pas ceux-là, ils font mal. Ils font mal, m'approche pas. M'approche pas. Ouh. Ah, non, non, non. Ah, mais ce jeu, quand il veut te tuer, il hésite pas. Hein. Ah ouais, il y va à fond. Oh non, en plus, le mec, il arrive encore par derrière, mais non. Non! Non, 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 ça pue complet. Oh putain, mais non, mais sérieux, faut pas déconner, j'avais deux cœurs. Oh non, ça a abusé ça. Putain. Non, par contre, il a abusé quoi. Il est abusé ce jeu. Ah, je l'adore, mais le difficile, il est complètement pété. Hein. Tu te fais two shot, t'as le soin, il coûte cher. C'est abusé. C'est abusé. Je l'adore vraiment, mais là, ils ont abusé. Tiens, bah là, c'est moins cher. Hein? Mais ça joue à quoi, en fait, le prix des marchands? Ça joue à ta transformation, ça veut dire? Ben, on dirait que oui. Ouais, donc, je voulais aller où? Je voulais aller... À droite de la plage, ouais, tout à droite, il y a encore un passage comme ça avec des blocs à casser. Attends, il est là. Épée porte-bonheur, pierre d'Aman, tac plus 90. Pour que la chance te sourie. Ça aurait été pour la souris? Ouais, ça aurait été marrant. Là, il n'y a pas malheureusement. Hey Chaser, comment on va? La forme poteau. Allez, je vais prendre l'épée. Et par contre, j'ai pas l'armure. Bouh. Bouh, bouh, bouh. On va casser les blocs. Je vais prendre les sous. Il me faut plus de sous. Mais ah, la galère pour casser un bloc. Non mais un cœur en vide, ça sert à rien. Bon, allez, c'est reparti. Le mec qui veut ses sous. Hein. Ah ouais. Alors, au moins, ce qui vient avec lui, c'est qu'il a une bonne allonge. Ça, c'est cool. Waouh, 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 waouh. Ah oui, c'est vrai que c'est le chrono. Le chrono qui me bouffe ma vie. Ah ouais. Dans ce jeu, mon pire ennemi, c'est le chrono. Youp. Est-ce qu'il y a encore de la flotte après? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Non, c'est un cul-de-sac. Bon, ça me file des cœurs, c'est bien. Ouais, un peu beaucoup d'ailleurs.
Oups. Ouais, non, non. Pas d'accord. Alors. Et l'autre bloc de pierre, il est où? Enfin, les autres blocs de pierre. Hop. Petite technique tranquillou. ouais, je sais plus où c'était. Ah si, oh ça, ça remarche. Ouais, enfin bon, ça donne pas grand chose. Ouais. Beaucoup de pièces. Bah non, j'ai pas beaucoup de pièces justement, je suis pauvre. ouais. En tout cas, merci, ça va bien. La forme, je suis sur un excellent bon petit jeu. Un excellent remaster d'un excellent jeu. Donc c'est parfait. Allez, en tout cas du lourd aujourd'hui. Hein. Entre Shyness, enfin d'ailleurs Shyness, j'ai vu qu'il y avait comme des mauvaises critiques. Ah, ça m'a déçu parce que c'est un jeu que j'attendais quand même beaucoup depuis de très nombreuses années. Et ouais, je l'ai quand même acheté. Je le streamerai demain, je pense. Le petit Shyness, ouais. Donc on verra bien en direct hein, ce que ça donnera. Hein. J'espère ne pas être trop déçu. Après j'ai aussi Late Shift, que je dois aussi streamer bientôt, qui est un excellent jeu en FMV, comme The Bunker sorti il y a quelques mois. Donc très bon aussi. Ça peut être sympa à streamer. Et il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait aussi Remaster de Voodoo Wings, eh oui. Et lui je l'ai pas encore acheté. Et la compile Disney. Voilà, trop de jeux d'un coup, c'est abusé. Mon portefeuille, il a mal, il pleure. Et dans une semaine, il y a encore Siberia 3 en collector. Et puis aussi, il y a quoi d'autre? Il y a... Je sais plus. C'était quoi déjà? Ah oui, Outlast 2. Donc ça veut dire plein de streams à venir, ça va être bien. Donc tout va bien. Moi qui n'ai pas beaucoup de jeux à faire en ce moment, et ben là je suis blindé. Blindé de sortie. Et j'ai encore Mass Effect à commencer. voilà. Oh, petit lag, vite fait. Bizarre. Allez. Je fais un peu n'importe quoi, ouais, ça se voit. Là aussi, il y avait un truc. Je pense que j'ai pas le niveau pour ça. Non, en plus, il faut le lion, ouais, il faut le lion. Donc, il y a rien à faire ici. Dans la pyramide. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un petit côté RPG. Il y a des zones bas level, des zones haut level en gros, donc c'est pas mal, c'est pas mal. En gros, les monstres, ils me font plus rien parce que j'ai une armure assez élevée. Mais dans l'épave, c'est pas la même chose. Ouh, je suis passé, mais avec du cul. Ah, pas déçu de Shyness, moi c'est cool, ça fait plaisir à entendre en tout cas. C'est vrai que j'ai pu le tester à de nombreuses conventions et j'avais aussi pu le tester dans les locaux des développeurs, enfin des. Non, éditeurs, à Paris. Et franchement, j'avais bien kiffé. J'avais backé le jeu et tout sur Kickstarter. Donc c'est vrai que si le jeu est mauvais, ça me ferait un peu beaucoup mal au cul, hein. Ouais, vraiment. Après les défauts, je peux les comprendre aussi. Problème de caméra, problème de. Je ne sais plus quoi, j'ai vu. Ah oui, le cheminement aussi qui était un peu what the fuck. Des quêtes secondaires un peu inutiles. Le level design qui était pas terrible. Ouais, ça fait quand même beaucoup de défauts. Hein. Attends.
Non, y a rien ici. Y a rien. Va mourir, toi. Va mourir. Non, parce que si je vais... Non, y a rien. Non, y a rien. Je suis venu ici pour que dalle. Ouais, y a rien. Enfin, de mémoire, y'a rien. C'est peut-être pas le cas, je sais pas. Je sais plus. Ouais, je vais aller... me soigner. Et on continue. Bon bah du coup, retour à l'épave. Hein. Ah mais ils font tellement mal. Il me faudrait une meilleure attaque en fait. Et une meilleure armure aussi, c'est très bien. En fait, un meilleur tout. Donc les gars, si vous comptez acheter le jeu et si vous comptez faire le jeu en difficulté maximale comme je fais là, déjà ne faites pas votre premier run, pas comme moi, hein, ça serait déjà moins stupide. Parce que là, j'aurais pas dû faire ça. Et si vous le faites en difficile, n'hésitez pas à utiliser la technique que j'ai faite tout à l'heure pour aller sous illimité. Qui est donc ouvrir un gros coffre, récupérer les sous, quitter au menu principal et recommencer l'opération jusqu'à avoir les sous que vous voulez. Ça vous rendra le jeu beaucoup plus facile. Avec du stuff très haut level, très tôt dans le jeu. Parce que ouais, le difficile, franchement, c'est coton. Après du coup, oui, ça va tuer la moitié du challenge, on va dire. Mais bon. Toujours un plus. Je n'encourage pas la triche, mais bon. C'est toujours un petit truc utile. En tout cas, pour ma part, c'est mort parce que je n'ai plus de coffre qui était près du checkpoint. Dans le village. Donc, non, je ne peux plus. Mais bon, comme les sous montent quand même assez vite encore, ça va. J'ai eu chaud. Alors, j'avais été à gauche, il me semble, tout à l'heure. Là, je vais aller à droite. Hâte de me suivre, toi. Espèce de stalker. Aïe, ouch. En fait, dans le jeu, c'est quand même bizarre. C'est tout ou rien au niveau des dégâts que tu prends. La plupart des dégâts que je prends, là, c'est même pas un demi-cœur. Même pas un quart de cœur, d'ailleurs. Et quand c'est les ogres, tu prends deux cœurs dans ta tronche d'un coup. C'est ouf. Ah, une porte. J'aime les portes. Un coffre. Un cœur. Oui. Oh, je revis. Oh, je revis. Oh oui, c'est trop bien. La jouissance. Ah ouais, tout va bien. Ah non, mais un cœur, c'est énorme. Ça change tout. Ça fait plus de temps de jeu encore. Et ça fait que les ogres maintenant vont me tuer en 3 coups au lieu de 2. Ça change tout. Maintenant j'ai un moyen d'y arriver. Je pense qu'il y a un peu dommage. Du coup moi je suis comme un joueur qui chasse beaucoup les succès. C'est quand même dommage que pour ce jeu il n'y a que 13 succès et qu'en plus ils sont quand même peu inspirés. Il y en a 6 liés au boss du jeu, donc liés à l'histoire. 1 faire le jeu en difficile et 6 liés aux secrets du jeu qui sont inédits. Mais bon, c'est bizarre, j'ai des guides sur le net, hein, donc voilà, c'est pas compliqué. En gros, il y a moyen de se faire les 1000 gens en une seule partie. Donc 1000 gens en une partie et en même pas 10 heures. Donc oui, du coup, c'est pas très bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas des succès de speedrun, des succès de 100%, ça aurait été bien. Mais non.
Donc la liste est assez peu inspirée. C'est dommage. Moi qui voulais vraiment jouer beaucoup à ce jeu. Et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de contenu, hein, mine de rien. C'est un jeu assez vite fait. Hein. Il est très bien, ça, il aime parfait. Mais hein. Ouais, niveau contenu, c'est un peu maigrichon. Il n'y a pas de grosse rejouabilité, je veux dire. Il n'y a pas de scoring, il n'y a pas de speedrun, il n'y a pas de classement, il n'y a rien de tout ça. Donc ouais. Ah, retour des guet-apens. Full life, ça c'est cool. Allez, c'est parti pour le passage de ouf. Ah merde. Meurs. Ah bah je l'avais déjà fait sur émulateur, le celui-là. Et j'avais fait le... Merde, ah, mais c'est impossible ce passage. Lâche-moi. J'ai fait le 3... donc le 3 sur émulateur, je crois, et le 1... Il me semble que je l'ai fait sur la compile Mega Drive sur 360. Il était dedans, je crois. Je sais plus. Oh purée. Ouais, il dure 4 heures. Oui, c'est ça en gros. Il faut compter entre 4 à 6 heures si tu sais où aller, si tu cherches 100% ou pas, si tu galères ou non. Voilà, après pour vraiment faire le jeu, si tu veux en une seule partie, à 100% en difficile, faut compter, je sais pas, je dirais 6 à 8 heures. Pour le 100% en difficile, je précise. Voilà, donc oui, il est pas très long. Mais là, ça coûte 165, bizarre. Je comprends pas le marchand. Tout à l'heure, j'étais à... 65, non, je passe à 165. Avec la souris, j'étais à 4 coeurs, je devais payer 100. C'est bizarre. On va aller acheter des potions. Non. Ah, c'est pas cool. Il me faut des popos. Les popos, c'est la vie. Ouais, donc 4 heures de jeu, moi je suis déjà, d'après mon stream, je suis à 2h04 exactement. 2h04 de temps de jeu. Et j'en suis rendu à la moitié, je crois. Franchement, je sais même plus, je l'ai même plus en mémoire le jeu, donc... Je me rappelais un peu du début, du village, des transformations. C'est tout dont je me rappelle. Après, j'ai tellement oublié, je l'ai fait il y a tellement longtemps. Bon, c'était pas non plus à la sortie comme certains ont pu le faire, hein. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'était il y a quand même longtemps aussi. Puis comme je fais tellement de jeux aussi, j'ai la mémoire qui... voilà, qui flanche un peu des fois. Je ne me rappelle plus de tous les jeux que j'ai fait. Je vois sur mon compte Xbox, j'ai lancé plus de 1000 jeux déjà, en comptant 3.6, One et Windows Phone. C'est abusé quoi. Je me rappelle plus de tout. Bon, donc du coup on va recommencer. Retour à l'épave. Ouh, ça s'est joué à un poil de cucu. À gauche c'était pour de l'équipement, je crois que c'était un marchand, c'est ça. C'était un marchand, il me semble. Non, c'était une guérisseuse, oui.
J'aurais préféré un marchand de potions, ça aurait été mieux. Mais tant pis. Hey! Je fonce en plein dedans. Tout va bien. Tout va très bien. Il me faut une meilleure armure, j'ai pas le choix. Là, je suis trop vulnérable. C'est pas normal. Parce que quand je vois mes armures, elles me font quoi? Elles me font du 56 au max. C'est pas énorme. Il me faut une armure pour l'homme poisson. J'en ai pas. Une armure spécifique à ce personnage-là. À l'ancienne. Ça change quand même d'ambiance, hein. Deux bandes sont carrément différentes. J'ai une bande son un peu tranquille, un peu inquiétante quand même. En mode moderne, elle a une bande son assez speed, assez rythmée, en rétro. Donc c'est vraiment deux ambiances carrément différentes. Mais j'aime bien aussi. Attends, j'ai acheté une nouvelle épée et je les tue en 5-6 coups. C'est quoi le délire? Putain, non, je suis pas d'accord. Ah, mais je casse les projectiles avec mon bouclier. Survie. Ah, c'est ignoble. J'espère qu'il n'y en a plus. Ah, j'espère qu'il n'y en a plus. Oh, le truc vicelard. Comment tu veux passer ça légit sans prendre deux coups? Même ça? Comment tu veux? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, je le vois venir. Non, même pas, non. D'accord. What? Mais il est chaud ce passage. De la vie! Allez! Ah ouais, mais tout est vice là, hein. Tout. Mais non. Oh yes. Oh, ça fait trop du bien. Ah, je respire un peu. Ça va, si c'est les poulpes, ça devrait passer. Ah, fantôme bleu. Je sais pas si c'est plus puissant ou pas. Je sais pas, je n'espère pas. En tout cas, c'est plus résistant. C'est marrant, quand il meurt, il fait un bruit d'otari. Ça colle pas du tout. Ouais, attends, quoi?
Les projectiles transpercent carrément les... Les tonneaux, d'accord, ok. Oh non, oh non, oh non. Non, 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 un gros cœur, allez. Fuck. Moi, petit, c'est déjà ça. Ah, je le sentais venir, ça. Je le sentais venir. Non. Ah, j'en ai ras-le-bol. Oh non, c'est un truc de dingue. Ah mais je l'ai voulu, hein. Je l'ai voulu aussi, hein. C'est moi qui ai mis le genre difficile. Et non, un cran près j'avais la potion. Ouais. Je crois que je vais aller me faire un petit stock de potions, hein. Ça sera préférable. Non, je vais pas abandonner quand même pas. Vous avez cru quoi, franchement? Moi, abandonner? Ah oui mais attends, merde je peux pas y aller. Ah non c'est pas cool. Faut que je vois un vendeur de potions mais je sais pas où il y en a. À la plage il y en a pas. Je crois pas. C'est que des marchands d'équipement. Et dans le désert je... Pas non plus. Oups. Attends, je peux pas aller dans le magasin secret. Ça marche pas donc, merci d'être passé. C'est cool de ta part. Donc je te dis bonjour en tout cas sur Shyness, hein. Profites-en bien et puis bonne soirée à toi. Et puis à très vite, je l'espère. Pour l'instant, moi je vais galérer encore un peu. Parce qu'elle, en fait, il se fait qu'il a l'air, je sais même pas. Ah oui, 8 heures quand même. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Merci poteau. Ouais. Du coup moi il faut que je me trouve un petit vendeur de popo. Si quelqu'un se rappelle où en trouver un, en tout cas je suis preneur. Parce que là je désespère un peu. Là, le mec il se bouffe des coups. Ouais j'aime ça, j'aime. J'aime. I like that. Oh yeah. J'aime me prendre des coups. C'est toute ma vie. Toute l'histoire de ma vie. Ah ouais. Ou en fait pas du tout hein, mais bon. Dans le jeu un petit peu quand même. Oh la vache. C'est encore plus dur après, oui. C'est tout ce que je voulais entendre. Oh, des sous. Oh, des sous. Ah, oh, c'est un vendeur d'armure. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas si dangereux. Non, non, il a lave partout, il y a des ennemis partout qui veulent me tuer, mais non, c'est pas dangereux. Le
pire, c'est qu'en plus, les boss, pour l'instant, ça peut être un problème dans le jeu. Et tu vas arrêter de me pousser. Le seul challenge, pour moi, c'est les ogres qui te retirent deux cœurs dans la gueule, minimum. Deux cœurs, ouais. Oula, d'où ils sont deux? Ça maintenant je sais les gérer tranquille. Ouais, enfin, ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Eh, hey, ils sont résistants, mine de rien. Et bien verdict, pas de marchand. Ah mais... Bah au pire je me transforme en souris et je vais aller chercher les popos, c'est pas grave. Ouais au pire. Parce que je vois pas d'autres marchands qui en vendent. Donc ouais. D'abord... Non je vais quand même... Oh non je vais aller voir un truc. Ouais, ça a quand même plus de gueule maintenant. La victime est de retour. Oui. Ça vous a manqué. Je vais vous dire un secret. Pas moi. Ah bah là maintenant c'est moins cher. Je comprends pas. 20 pièces de moins que... Que l'homme poisson. Bref, c'est bizarre. Idéal pour les créatures à plumes. Ouais, mais moi je suis pas une créature à plumes, moi je suis une créature à poils. Ou à écailles. Pour le poisson. Donc c'est pas ce qu'il me faut. Donc petit speedrun jusqu'à la boutique. Ah, dommage, presque. Quand même le prendre, ça coûte pas trop cher. Est-ce qu'il n'y a pas un passage secret en haut? Non, ça aurait pu. Maintenant, il s'agit de ne pas mourir. Ah, mais attends, 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 attends. Voilà, ça sera mieux comme ça. Spécial. C'est quoi le spécial? C'est quoi? Ça m'intrigue. Laisse-moi passer. Bon, allez. On est presque arrivé au marchand. Si je ne dis pas de bêtises. Tiens, dans ta tronche. Rien vu venir, hein. Allez, encore deux cœurs, un quart. Ouais, ça devrait passer. Tiens, il y a encore plus. Allez, hop.
Non, un peu trop vite. Ah, ok, il me file la clé à chaque fois, hein. D'accord. Même maintenant que j'ai fini le donjon, il me file quand même. Par contre, comment je vais ici? À droite. C'est bizarre. Ouais, coffre. Vide. Ça ne marche pas toujours. Ouh, ah ouais, allez mec. Ah ouais, carrément. Carrément, vous êtes comme ça. Et en plus, t'es limité à 3 potions. Ok. Ok, bon. Je vais me faire soigner maintenant. Avec la souris, c'est moins cher. Tac. Bon, bah, je me suis ruiné, mais bon, hein, c'est pour la bonne cause. Par contre, si là j'y arrive pas, je vois pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? Si, si, faut que j'aille, mais oui, pourquoi je fais marche arrière? Je suis perdu. Ah là là. Bon allez, on y est. Non, pas de bêtises. Attends, par contre. Est-ce que c'est la bonne arme? Ouais, c'est la meilleure. Bouclier. Ce serait mieux comme ça. Ah mais lui il a pas beaucoup d'armure, hein. 56 au max, c'est pour ça aussi que je suis pas très résistant, parce que mon armure est pas énorme. Ah bah tiens.
Fais-moi le malin maintenant. Toujours trop résistant, toujours. Et l'autre il est mort. Bizarre. Ok. Ok. Je sais pas quand tu passes ça, c'est pas possible. Je commence un peu fatigué. Et à avoir faim aussi quand même. Là c'est mon dernier essai. Si je meurs, je vais me faire à manger. Et puis si j'ai réussi, bah tant mieux. Après je vais peut-être streamer ce soir la suite de mon Watchog, peut-être. Ou sinon je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai bien. Oh, merci pour le gros cœur. Oh, par contre, toi, non. Ah putain, non, 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 non. Putain. Fais-moi ça, il m'a retiré encore 3 cœurs. Non, la potion donne pas tous les cœurs. C'est quoi le délire? Ouais, ok, d'accord, ok, c'est pas possible, j'ai pas la bonne armure, c'est impossible. Je crois que je vais mourir. Même s'ils font des dégâts de fou. Oh, une potion cool. Oh non, non, mais non, mais non, mais si j'ai fui, c'était bien pour une bonne raison. J'en ai marre. J'en ai marre. Ils font trop mal. Oui, un boss. Oui. Oh, mais dis pas qu'il va me tuer en deux coups. Ah. Ok, il fait pas beaucoup de dégâts, mais voilà, je veux pas non plus trop m'avancer, hein. Je veux pas non plus dire ouais, je vais le battre facile. Mais en tout cas, la marge d'erreur elle est pas énorme. Merde!
Je fais n'importe quoi. C'est vrai que niveau dégâts, il est pas très balèze, hein. Ouais, mais si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire non plus. Allez. Non, mais des fois, il saute une fois, des fois, il saute deux fois. Donc, c'est pas évident. Je vais quand même pas finir sur un échec. Oh putain, si, ça va être ça. Je fais n'importe quoi. J'arrive pas à le taper deux fois. Non. Ça pique. Dernière popo. Laisse-moi passer. Ok, ok, si tu veux, bah jusqu'au bout. Hein. Allez, encore deux fois. Ou une fois. Bon, c'est passé. Ouh, je suis fatigué. Ah, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'étais un petit peu sous la panique. Et un petit succès, 55G, Dragon Capitaine. Dragon Capitaine terrassé. Qui l'eût cru ? Ah ouais, je suis fatigué là. Ouais. Ça fait quoi ça? Bouclier de maître. Extrémité poilue, on s'y fait rapidement. Bah tiens, bah c'est un bouclier pour lui, nickel. Hop. Même si je suis pauvre maintenant. Ça c'était le coffre. Vide. Et c'est le retour en ville. Ouf. Je suis fatigué. Bah sur ce les amis, en tout cas, je vais vous laisser. Je vais vous dire en tout cas de passer une très bonne soirée. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour un prochain stream. Ce sera donc peut-être ce soir, mais là je suis un peu fatigué donc je pense pas, ce sera plutôt demain. Alors après il y a le choix, il y a entre Layshift, Shyness et Wonderboy. J'ai un des trois jeux à faire donc... voilà, donc ce sera selon l'envie, je pense, peut-être plutôt Shyness pour changer un peu. Donc voilà. Donc voilà, donc en tout cas, passez une bonne soirée, merci d'avoir regardé, et je vous dis donc à très très vite pour un prochain petit stream. Voilà. Ah, la galerie. Très sympa aussi. Ouais, c'est assez sympa. C'est assez complet. Donc voilà. Donc, c'était... Non, c'était Wonder Girl et pas Wonder Boy. Eh oui. Eh oui, eh oui. Voilà. 2h22 de jeu. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. J'en suis aux deux tiers. Donc voilà. Donc, peut-être que je restreamerai ce soir. Mais je ne suis pas sûr, hein, franchement. Je ne suis pas sûr. Donc, au pire, ce sera demain. Donc voilà. Donc, en tout cas, passez une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.